Super propulsion. Bonjour à tous ceux qui sont là, c'est-à-dire personne. Hein, je crois que pour l'instant il n'y a pas grand monde. On fait un 19e live de Final Fantasy VII retraduit avec le patch de Midgar. Et on est à la fin du jeu, en train de faire tout un tas de quêtes. Sachant que on fait une perfect partie, donc il faut faire toutes les quêtes possibles et obtenir tous les objets possibles. Là j'essaye de retrouver le type qui vend des GP. Le voilà. Thank you.
Donc là, je gagne des courses de chocobo avec mon chocobo en classe S parce que au bout de 19 courses gagnées, je vais pouvoir recevoir de la part d'Esther tous les lots spéciaux du Chocobo Square, enfin la plupart tout du moins. Et là, j'en ai gagné une quinzaine à peu près de courses avec ce chocobo. Il faut gagner 10 courses en classe S ou A+ pour ceux qui jouent encore à la version PlayStation non retraduite. Et en même temps, j'en profite pour gagner des GP pour acheter plus tard la materia bonus expérience, qui est la seule materia qui me manque dans le coin. GP les terres turbo, c'est pas mal ça. Salut Géfou. Le son n'est pas très élevé, tu dis? Ou c'est sur ton PC? Ok. Et voilà, encore une course remportée par Géfou. Ah, montre de luxe, c'est bien ça, ça va avoir beaucoup de GP parce que je compte pas la prendre. Je voudrais des GP. 300 GP, ouais, je les prends. Félicitations, tu as terminé premier. En fait, je suis pas loin d'obtenir du coup les 10 courses gagnées en classe S. Je vais recevoir de toute façon la montre de luxe. Ainsi que d'autres lots. Alors j'essaye de gagner les 19 courses, donc 10 courses en classe S pour avoir tous les lots que Esther va me donner. La montre de luxe, clochette de chat, matériel contre-attaque, mais ça j'ai déjà. Quoi d'autre? Choco bracelet. Et basket aussi, même si j'ai déjà aussi. Par contre, j'ai toujours pas vu depuis que j'ai commencé les courses la matéria opposition magie, qui me semblait aussi être de la liste. Hein. Même si celle-là, je peux la ramasser dans la grotte nord. Et surtout, la matéria repousse ennemi, je l'ai toujours pas eu. Alors que celle-là, il va falloir que je l'obtienne un jour ou l'autre.
ici. Oh t'inquiète, j'ai toujours pas perdu de course depuis que j'ai commencé les courses de Chocobo, donc je gère assez bien les... J'utilise la touche carré appuyée pendant toute la course et ça suffit en fait. Attaque surprise. Vais-je la regagner? Pas loin. Si le troisième est arrivé second, ça serait passé. J'étais entouré de matériel attaque surprise. Ah, ça y est. Incroyable. Depuis Joe, aucun jockey n'avait remporté autant de courses dans la catégorie S. Beau travail. Voici quelques récompenses de ma part. Sandales d'Hermès, montre de luxe, clochette de chat, bracelet chocobo et matériel contre-attaque. Je continue un tout petit peu pour gagner des GP et essayer de gagner repousse ennemi, donc qui est la seule récompense qui me manque maintenant au Chocobo Square. Sachant que opposition magie, je pourrais la ramasser plus tard encore une fois. Donc après j'enchaînerai avec le Battle Square pour gagner Invocation W, Omnislash, Poussière d'étoile et matériel à super vitesse aussi, je crois que j'ai pas, ceinture de champion. Ah, Tri aurait gagné s'il avait parié. Je l'ai déjà la matéria super vitesse. Bonus chance, bonus magie. Ah, je crois pas que je l'ai. Non, je l'ai pas. Allez, encore deux petites courses. Alors, par contre, je crois que pour la matéria repousse ennemi. Si je me trompe pas, matériel repousse ennemi BAA+. Ah si, on peut l'avoir en catégorie A+, mais je pense qu'elle est plus fréquente en catégorie B, de mon souvenir. En tout cas, toutes les fois où je l'ai gagné, c'était dans la catégorie B, je crois. Allez, j'essaye une course en catégorie B. Ah non, en fait on est obligé de... Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Je suis obligé de faire en S. Je vais faire en S.
pas terrible Elo. On devrait devoir pouvoir abandonner une course après avoir vu Elo. Oula, c'est quoi ce chocobo blanc là? Qui est très proche de moi. J'ai jamais eu un chocobo qui m'a suivi jusque là. Ah, je vais peut-être perdre ma première course. Non, finalement non. Finalement ce chocobo va terminer 6ème. Ouais, il y a trop accéléré pendant la course. Que de phénix en meilleur loup. N'importe quoi. Et alors, je voudrais les GP. Allez, on va aller voir combien j'ai de GP. Ouais, ya. Yeah 1655. Il m'en manque encore 350 à peu près pour pouvoir acheter bonus XP. Mais en attendant, je vais directement aller au battle. Parce qu'il me faudra de toute façon des GP pour m'inscrire. Donc je préfère faire ça avant. Bienvenue, tu as actuellement 0 points de combat. Tiens, toi aussi. On se demande vraiment ce qu'on fait là, vu tout ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, il est sûrement trop tard pour agir, alors autant rester là, en profiter. Oh, à propos, tu es au courant? Il paraît qu'il va y avoir un combat auquel seuls les plus forts pourront participer. Mais c'est vague ça, les plus forts. Il doit y avoir un lien avec notre arme. De plus, je pense qu'il faut avoir déjà fait ses preuves dans l'arène. Je me demande s'ils ne veulent pas encore autre chose. Voilà. Donc faire ses preuves dans l'arène, c'est avoir obtenu, du coup... Omnislash et invocation W. Avoir une bonne arme, bah c'est avoir dernière arme. Et voilà. Et peut-être l'autre chose, c'est d'avoir appris la limite en question, Omnislash. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc c'est parti. Pour l'équipement déjà. Donc je vais prendre Clad hein, sans hésiter. Avec un ruban. Si j'en trouve un. Il n'a pas le ruban. Je vais aller. C'est con qu'on puisse pas échanger les équipements entre les personnages. Autre que les matérias. Ouais, il ne peut plus l'avoir dans son inventaire. Donc ça demande du coup. De l'avoir apprise vu que on peut pas la revendre ni se la faire voler du coup, à moins que Fistose ait une méthode secrète pour se faire voler le Omnislash. Alors je vais éviter dernière arme hein, quand même, épée ultima, parce que quand on n'a plus beaucoup de HP, c'est critique comme arme au Battle Square. Et plus beaucoup de HP, ça peut arriver vite quand on a des handicaps HP divisé par 2. Je maîtrise assez bien la roulette, normalement ça devrait bien se passer.
Donc j'ai Ragnarok et Mystère. Donc Mystère qui va me permettre d'esquiver pas mal d'attaques. Matériel restauré. Bon. Bien sûr, talent ennemi. Imparable. Attaque multiple. Ça va m'être utile pour attaquer tout le monde. Ah non, attaque tous, pardon. Pour attaquer tout le monde, ça ira plus vite. Contre-attaque, j'en ai deux. Je vais mettre les deux. Donc portée, c'est pas forcément utile. Ah, bonus HP, ça va être utile. Contre, faut pas que je me fasse casser mes matériaux roses. Transformer coup décisif. Je vais mettre coup décisif et coup additionnel. Je vais vider tout ce qui est magie en fait. J'ai pas plus besoin que ça. Sachant que j'ai talent ennemi. Oh, ça me semble bien tout ça. Je pourrais mettre d'autres limites, plus de météorites. Ok. Je vais tenter comme ça et on va voir ce qui se passe. Un couple a quitté l'arène en disant ces derniers, nos derniers moments ensemble. Ça m'exaspère, je n'ai personne à qui dire ça à moi. Mais bon, je ne désespère pas. Après tout, qui vivra verra. C'est pour ça que je travaille encore. Oh, pardon, je m'égare. Tu t'inscris pour le combat, les droits d'inscription s'élèvent à 10 000... non, à 10 GP. Ouais. C'est un combat individuel, lequel d'entre vous veut y participer? Cloud. Tu peux enchaîner 8 combats au maximum, mais plus tu combats, plus il y a du handicap et plus les monstres deviennent forts. Ok, je vais leur montrer. C'est parti pour les combats. Dimitri, j'ai plein d'inscriptions. Voilà, t'as le moyen de faire un combat, mais c'est tout. Voilà, l'armure mystère va me permettre d'esquiver pas mal d'attaques. Voilà, il tape pas très fort. Hein. Heureusement, j'ai des matériaux contre-attaque. Bon, elles sont pas niveau maître, mais on fait avec. C'est moi, il m'a infligé poison alors que j'ai un ruban équipé. Je me suis pas équipé le ruban. Ah là là, con de moi. Je me suis pas équipé le ruban. Bon bah ce sera pour la prochaine. Ça relevera le challenge comme ça. Poisona. Ok, c'est sympa. Ok, je viens de me faire soigner par... ça m'est jamais arrivé. Je viens de me faire soigner par cette charmante jeune dame. Bah, quand elle me lance Poisona, j'ai envie de dire... je
peux lui lancer substance toxique. Même si j'en ai qu'une. Hop, mort. Parce que cet ennemi a l'affinité mort avec le poison, comme ecto. Comme sans yeux, pardon. C'est bien en fait, j'ai bien fait de pas prendre le ruban. Je me fais soigner comme ça par les ennemis. Ça doit être un truc de son script. Elle a un truc avec le poison de toute façon, cette fille. Elle en meurt. Elle aime pas quand les gens sont empoisonnés, j'imagine. Je suis bien parti pour l'instant. C'est puissant les matériaux contre-attaque ici. Bon là par contre je vais éviter d'avoir toutes les matériaux cassés à ce stade là. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être au dernier handicap. Style va surtout. Souffle magique. Ça fait mal ça. Bon ça va. Je m'attendais à pire. Chevaucheur de dragon. Oh, c'était rapide. Bon allez, dernière roulette. Donc là, faut que je tienne toutes les matériaux cassées. Ça me fera 10 000 BP. Voilà. Il faut que je m'en sorte. Bon, ça va. Cet ennemi n'est pas trop dur. Malgré les matériaux cassés, donc ça devrait aller. Ouais, c'est simple la roulette. Heureusement qu'il y a cette astuce, sinon ce serait vraiment gênant. Je pense que ça serait vraiment du challenge, limite, d'avoir les vraies roulettes. Surtout armes cassées ou ce genre de truc à la con. Bon là je vais gagner un peu plus de 10 000 BP, c'est bien ça. Sans trop avoir souffert finalement. Bon j'avais pas le ruban. Ah oui c'est vrai que j'ai dupliqué les fumigènes donc j'aurais pu faire ça. Je ferai ça au prochain si j'ai trop de difficultés. Donc voyons voir du coup les lots. Donc ceux-là je les avais déjà. Bonus rapidité, je l'avais pas encore. Poussière d'étoile. Poussière d'étoile. La fameuse. Et du coup, bonus rapidité, je vais quand même rejeter un coup d'œil. Il devait être trop cher en fait quand je suis passé là pour la première fois. Ouais. Ah non, zut, j'ai oublié le ruban. On va faire encore une fois sans. Je peux me lancer un vaccin aussi. Accessoire cassé du... Ah non, c'est pas ça que je voulais.
accessoire cassé. Matériel d'invocation cassé. Ah tiens, nos chers amis. Ah, c'est parti pour l'ennemi qui a le plus de HP en dehors des boss. Donc maintenant il en a 66666. Les HP sont doublés. On va le mettre en poison, ça aidera déjà. C'est bien mort ce soir en tout cas. Ça marche bien les coups critiques là. Ça allait vite. Matériel bleu, je sais plus ce que j'ai. Prendre un demi MP. Niveau moins 10. Ah oui, j'ai quoi additionnel. Ah, ça commence à devenir tendu. Je prends encore niveau moins 10. C'est la dernière du coup. C'est matériel vert cassé qui rapporte le plus. Donc c'est bon. Hop, fumigène, ce sera fait. Mouchoir et j'équipe le ruban. Par contre, ouais, ruban ne protège pas de lent et stop, il me semble, donc toujours me les prendre de la part de ses ennemis.
Alors on va prendre Mini. Non! Ah, cette erreur. Va m'être fatal, je pense que ce handicap du coup divise l'attaque du personnage par deux et ça diminue considérablement ses dégâts. On va voir, hein. Ça fera du challenge comme ça. Je vais être obligé de prendre les MP. Ouais. Tiens, nos aiguilles. Ils sont pas gentils, eux. Du moment qu'ils font pas leur attaque et absorbent des HP ou des MP. Ça me dérange pas plus que ça. J'adore comment ces ennemis meurent. Je teste la résurrection sur ses ennemis. Ah mais c'est un handicap à la con, hein. Prendre armure cassée du coup. Oh non. Ah, ça ne fait rien. Ils ont la même tête. Non, non, pas encore arme cassée. Heureusement. J'adore les ennemis mini qui tournent sur eux-mêmes.
Des ennemis aussi grands que Cloud. Puissant avec bois souffle. Bon, je vais prendre encore une fois armure cassée. Là, ma défense va en prendre un coup. Tiens, notre cher Marlboro. Une météorite. J'aurais peut-être dû faire finition. Oh, il est même pas mort. C'est vraiment ridicule les dégâts quand on a arme cassée. Ouf, dernier combat. Toutes les matériaux cassés. Hop. Serpent, tranquille. Je vais pouvoir fuir. Comme un lâche, je sais. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. 22 927. Éviter d'avoir arme cassée cette fois. Oh, je sais pas si t'as vu, j'ai fou, mais ma barre de combat a fait un truc très bizarre. Elle était sur le point d'arriver au bout et elle s'est réinitialisée. Ah bah tu regarderas la rediffusion, c'était vraiment très bizarre. Ça a commencé quasiment au bout et ça s'est réinitialisé. Je pense que c'est normalement le jeu calcule aléatoirement la position de la barre. Si elle est trop loin, il la remet à zéro. Et là en fait il l'a pas fait. Il l'a fait en début de combat. Il y a un truc avec le handicap, entre guillemets, soin, là, cure de guérison. J'avais remarqué moi dans diverses parties que ce handicap ne soignait pas tous les HP. Et j'ai jamais pu déterminer combien de HP il soignait, quelle était en fait du coup la formule utilisée. Je m'étais noté dans un coin des valeurs que j'avais notées. Quelques valeurs. Mais je suis certain que ça ne restaure pas intégralement les HP. Peut-être que ça dépend des statistiques du personnage et tout ça. Ça risque d'être compliqué à tester. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas accès à tout ce qui est donné en combat. Avec Mako Raptor par exemple, on n'a accès qu'au terrain. Et Wallmarket donne juste les actions en fait jouables. Alors je vais me prendre un niveau. Je me souviens de cette attaque qui fait quasiment pas de dégâts alors qu'elle est impressionnante.
5, 6, c'est l'avant-dernière du coup. 0 MP, allez. Oh, imposant giga. Allez, toutes les matériaux cassés. Ah oui, d'accord, explosion, j'avais pas compris. Bon bah encore une fois, toutes les matériaux cassés. Ah, vaisseau fantôme, alors là, faut vraiment que je fasse ça vite. Parce que s'il mince son attaque abyss, je suis foutu. Je pourrais prendre le guide aussi. Oui, je peux le transformer. 33625. J'ai assez pour Omnislash, il me restera ceinture de champion. Alors je vais acheter pour l'instant, je vais acheter bonus rapidité. Ceinture de champion. Il me reste plus que Omnislash et invocation W. Plus que, entre guillemets. Parce qu'il me faut quand même 96 000 BP. Ce qui représente une dizaine de combats quand même. Une dizaine de séries de combats. Mais ça se fait hein, pour l'instant, j'ai pas encore perdu. Ah, ça m'a encore fait, j'ai fou. Je sais pas si t'as vu. Incroyable ce truc. Ma jauge qui se réinitialise toute seule. En début de combat. Je pense. Ça me saoule d'être en lent. Ah, t'as encore loupé. Bah, tu verras au prochain combat, hein, sûrement. Tu l'as vu? Même Anaïs l'a vu. Non mais je pense que peut-être parce que je reste appuyé sur la touche comme si je voulais déjà attaquer et me réinitialiser. C'est beaucoup mieux avec hâte en tout cas. Invocation W. Là à l'instant, ouais, je viens. Poussière d'étoile. Ceinture de champion. Matériel bonus vitesse, bonus rapidité. Il y en a d'autres aussi que j'avais déjà connu. J'ai à peu près 50 heures de jeu, donc ça fait 1500 dégâts de 1500 dégâts sans handicap. La baisse de niveau influe aussi sur les dégâts.
d'autres façons. Un peu, si, si, si. Bah, tu liras les formules là. Je te ferai lire. Non, non, pas du tout. Niveau, une grosse influence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tiens, notre cher ami. Par contre, là, je crois que ruban ne protège pas de mort. Donc, je vais me lancer bouclier de mort. Que s'il me lance couteau, pourquoi tu dis ah oui tiens. Donc Tombéry, première fois que je le croise je crois, et c'est le seul endroit où je le croiserai vu que il a été désactivé d'une année du jeu et je l'ai pas combattu lors de la quête rajoutée vu que j'ai préféré terminer la quête. Du coup il faut absolument que je le tue. Ah, la partie dans la mise à jour sera beaucoup mieux, sera beaucoup plus compréhensible qu'actuellement je pense. Ah, il a 30 000 HP du coup. Deux fois plus qu'en temps normal. Et dernier combat, donc je vais prendre encore matière verte. Cassé. Ah. Encore une fois. Je préfère fuir là. Je pourrais lui lancer vent blanc aussi. La prochaine fois je lancerai vent blanc pour voir. En tout cas pour l'instant ça marche bien. Toujours pas perdu. Ah regarde bien, j'ai fou. Tu vois, encore une fois, même combat. Au début, sûrement. Je sais pas. Troisième fois aussi, hein, c'était les trois, c'était sur ce combat-là. Mais je pense, je sais pas, c'était peut-être la façon dont t'es rempli sa jauge. Ouais, je sais pas. Alors là, ces ennemis ils m'ont vraiment fait rager la dernière fois que j'ai joué au Battle Square. Parce que j'avais pas d'immunité à Fury. Et quand t'as pas d'immunité à Fury, t'es obligé de te taper Fury pendant toute la suite de la série de combats. Oui, bah c'est des guêpes. Ouais, non, qu'ils en ont des HP ces ennemis.
encore une fois. Bouclier de mort. Pour se protéger du couteau. Raté. Et toutes les matières cassées. Serpent. Je me demande ce que ça fait tiens, si on lance fumigène en étant confus. Jamais essayé. 34 000 BP. Ça y est, je peux acheter Omnislash. Omnislash. Donc il me manque plus que... Invocation W. Je peux même apprendre Omnislash à Clan déjà. Je vais essayer d'apprendre alors. Il est par type. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai les 8 limites. Mais qu'est-ce que ça fait fumigène sur l'ennemi justement, c'est ça que je me demandais. Est-ce que l'ennemi s'enfuit du coup? Est-ce que c'est un moyen de tuer l'arme de Ruby en la faisant fuir? Oula, c'est quoi ce truc? Ça n'a rien à voir avec moi. Ça y est! J'ai appris la limite Omnislash de Clad. Ah mais ça m'a encore fait. C'est fou ça alors qu'elle était qu'à la moitié. Conseil objet W, tu te lances une herbe hallucinogène avec le premier objet sur toi-même et ensuite tu lances fumigène.
J'essaie d'enchaîner les grenouilles là. De grenouille. Ah oui, Fistos, salut. Bah, j'étais tout seul hein, pendant un long moment du coup. Heureusement que j'ai fou m'a sauvé de la solitude. Du coup, j'ai failli gagner une deuxième matériel attaque surprise. Hein. Par contre, j'ai gagné du coup les 19 courses au Chocobo Square. Du coup, j'ai reçu pas mal de l'eau. Et là j'ai déjà gagné pas mal de séries de combats, j'en ai perdu aucune jusque là. Et il me manque plus qu'invocation W. Ah, je pourrais faire une ribambelle de grenouilles, mais il faut que j'obtienne toutes les matériaux cassés. Voilà, j'aurais pu obtenir 7 grenouilles. Je sais pas ce qui se passe quand on fait 7 grenouilles. Ah, du coup... ah non, j'ai pas accès à vent blanc. Je voulais essayer vent blanc, mais... que ma jauge va se vider encore une fois. Et oui. Ça le fait à tous les combats en fait. Ça veut dire quoi à son état? Revient à vide? Ah, moi je parle de la jauge d'action, Fistos. Je sais pas si t'as vu, mais depuis que j'ai commencé mon live, chaque fois que je commence le combat là, le premier combat, la jauge d'action est quasiment pleine ou à moitié pleine et se vide d'un coup. J'étais pas loin des 777. Parce que dernière arme, quand t'as plus assez de HP, c'est pénible au Battle Square. Surtout quand t'as un handicap demi-HP. Du coup, je préfère utiliser ça. C'est vrai que je pourrais utiliser dernière arme. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec celle-là. Les ennemis ne sont pas non plus si forts que ça. Donc, là je l'avais pas encore croisé celui-là.
mon souvenir, il est pas tendre. Vent blanc critique. Pourquoi tu dis ça? Ouais, mais normalement, vent blanc n'est pas concerné par les attaques critiques, alors je vérifie, mais ça m'étonnerait quand même. Sinon, j'apprends quelque chose. Mais normalement, non, vent blanc en fait c'est une attaque. Non, je suis sûr et certain maintenant. Vent blanc est une attaque à dégâts calculés de façon spéciale. Et comme les attaques comme demi, etc., qui sont des attaques calculées non pas avec les statistiques, mais vraiment à partir de critères spéciaux, il peut pas y avoir de coup critique. Et en fait même il peut pas y avoir de variation aléatoire des dégâts ni des soins. Il peut pas y avoir plein d'autres critères qui rentrent en jeu. Le seul critère qui rentre en jeu c'est résistance élémentaire, faiblesse élémentaire, bon ça on peut pas vu que c'est une attaque d'élément restauration. Absorption, donc là oui il peut y avoir avec les ennemis qui absorbent de restauration. Et il peut y avoir aussi comment ça s'appelle? Tout ce qui est 777 HP ou immunité à l'attaque. Alors là, si tu me dis qu'il y a un coup de critique, j'apprends quelque chose. Hein. D'accord, il y a un nombre de coups critiques, mais le nombre de dégâts ne bouge pas, d'accord. Ok. Je regarderai en live, pas la rediffusion. Voir ce que ça donne, mais oui, c'est sûr que le nombre de dégâts bouge pas. C'est vrai, parfois ça clignote bizarrement. Bon, là, je fuis pas. Hein. J'essaye pour une fois de faire ça légitimement. Non, non, ça bougera pas non plus sur un ennemi zombie. C'est pas parce que c'est un soin, c'est parce que c'est une attaque à dégâts calculée spécialement. Salut Popote, bah en fait j'ai l'accessoire mystère donc qui s'appelle Mistil dans le jeu d'origine qui a quand même des stats assez importantes en ce qui concerne l'esquive et l'esquive magique et c'est pour ça qu'en fait j'esquive beaucoup d'attaques. J'esquive pas tous. Ah, là ça l'a pas fait parce que j'étais pas resté appuyé sur la touche. J'ai l'impression que c'est quand je reste appuyé sur la touche d'action avant que la jauge arrive au bout que ça se vide. Comme s'il voulait pas que j'ai la main dès le début. Pareil, là j'ai esquivé la magie, c'est grâce aux 60 en esquive magique, 60% de l'armure mystère. Donc j'esquive les magies à 60% de chance. Ah là c'est sûr je deviens fort, c'est pour ça que j'ai pris ces accessoires.
Enfin, c'est les deux meilleurs, c'est la meilleure armure et la meilleure accessoire du jeu pour moi. C'est pour ça que je les ai pris. Pour les combats surtout. Bah Fistos, je pense qu'on aura fini d'ici là. Hein. De toute façon, tout le monde le sait, le meilleur c'est Mystère. Dire fini, fini le jeu carrément d'ici septembre. Ah là il reste ce soir j'aurai fini le Battle Square je pense. Après il restera peut-être le repousse ennemi pour les chocobos et après après ce sera la grotte nord. Et les armes quoi. Ouais, session de farming aussi bien sûr. Je sais pas si je ferai tout en live. Mais bon, le gros sera fait quand même en septembre. Surtout que je repars en vacances là dans 2 semaines. Tout pile, enfin tout pile, ouais, quasiment un jour près. Du coup, du 17 au 25, je serai pas là. Je pars à Nantes. On fait une IRL ff7.fr chez Treeman's King. La 20e IRL, je crois même. Du forum. On sera pas mal. Ça c'est balou. C'est 34 MP, c'est ça, avant blanc. Je me souviens bien.
dire toutes les matières cassées du coup. Ah bah tant pis. Je voulais essayer vent blanc sur lui mais je choisis toutes les matières cassées. Quatre mille. Encore 3 séries de combats et ça devrait être bon. Après il y aura encore la série de combats spéciale que j'aurais faire 4 fois pour obtenir attaque finale et les 3 lots inutiles. Je vais pas aller jusqu'à pousser le vis. Ah si, j'ai appuyé là, voilà, ça va faire encore le bug. J'aurais pas dû pousser le vis jusqu'à faire 10 victoires pour gagner le ruban. Ouais, j'ai fait une petite session de duplication de fumigène juste avant le live. Enfin, au début du live. Pendant que les gens arrivent. Je maintiens la touche action en fait pour attaquer le plus vite possible et du coup ça vide la jauge. Ça le fait que pour le premier combat. Ouais, c'est méchant. Pour la série de combats spécial, je mettrai dernière arme. Arme ultima. Plutôt. Épée ultima. Ah, j'aime pas ces ennemis qui font aéro 3 et qui se font vent blanc sur eux aussi. Mieux vaut être prudent. Ah, serpent. Serpent des mers.
Allez, plus que 20 000 de série de combats. Si tout se passe bien. Ah, là j'appuyais même pas et ça s'est réinitialisé tout seul. Le problème de Super Cœur c'est que... Ouais, si t'es... Faut utiliser coup décisif du coup. Parce que si t'as sa limite, tu peux pas bénéficier du coefficient de Super Cœur. Ouais, pas mal, ouais. Coup décisif plus coup additionnel. C'est vrai, ça pourrait le faire. Moi j'ai toujours l'habitude de prendre Clad quand même au battle. Aussi, ouais. Mais non, il est résistant, lui. Niveau 4. Ouais, j'ai eu peur. Crever sur ça quand même, ça aurait été quand même assez lamentable. Non, j'ai pas fait Fistose. Ça doit être possible, hein. Et aussi le bug là, t'as pas dû voir toi, comme tu passes pas trop sur le forum de FF7.fr, mais si tu possèdes une bague maudite en début de combat, tu termines le premier combat pile sur 0-0, à peine de mort, tu gagnes le combat et ensuite bah, peine de mort est soignée. Et ensuite bah, tout se passe normalement jusqu'à un moment, n'importe quand, dans un combat quelconque, où la mort arrive en plein milieu du combat et te tue. C'est assez marrant à voir. C'est Gfou qui a découvert ce petit truc. Ah, je déteste ces ennemis avec leur vent blanc. Ça m'arrange quand c'est moi qui l'ai, vent blanc, mais pas quand c'est les autres. Ouah, 7778 HP. Je peux pas passer loin.
146. Bon, il va pas tenir longtemps. Faut que je mette un ennemi en mini. Faut rire un peu. Ah non, je pense pas que lui j'arriverai à le mettre en mini. Ah dommage. Ah non, j'ai eu mini. Ah bordel, c'est pas ce que je voulais. C'est parce qu'il a rapporté beaucoup de... Ah, fait chier. Je vais devoir faire une série de combats de plus. À cause de ça. Oh là là, seulement 3200. Fait chier. Ouais, ouais, ça continue. Ça continue après les roulettes, il me semble, hein, le 777. Jusqu'à que ça fasse 64 attaques en gros. À moins que ça s'arrête à la fin du combat. Il me semble que ça continue. Parce qu'en fait, les combats du Battle Square sont pas vraiment considérés comme des nouveaux combats. Sais jamais hein, si tu tombes sur l'arme d'émeraude. Alors qu'est-ce que j'essaie d'avoir moi, mini? Si tu tombes sur l'arme d'émeraude en plein milieu du Battle Square. Ça me rappelle cette rumeur qu'on pourrait, il y avait des gens qui disaient avoir déjà être déjà tombé contre l'arme de Ruby au Battle Square. Moi aussi j'avais eu cette impression, mais je pense qu'en fait c'est juste un mauvais souvenir par rapport à Super Blurdo. HP. Non, je rigole, c'est pas possible, bien sûr. La bonne nouvelle c'est que oui, avec un Yuffie Warp d'ailleurs, je crois que je suis le premier à l'avoir fait ce truc. Enfin, c'est pas vraiment Yuffie Warp, je l'avais fait avec le bug du changement de CD. Un peu aussi le but, l'histoire du jeu, ça aurait pu dire grand chose. Autant on emporte le vent pour moi. Salut Cool Geek. Thank you.
du début. Ça risque d'être marrant. Ah tiens, mes chers amis. Encore une série gagnée. C'était l'avant-dernière, a priori. 12 404 points. Je crois que c'est. J'ai jamais fait mieux que ça pour l'instant. Et je crois que le record, à peu près, c'est 12 500 points. C'est vraiment cool. Voilà, c'est grâce au fait que j'ai eu matériel vert cassé plusieurs fois avant d'avoir toutes les matériels cassés. J'ai quasiment 60 000 points. Il m'en faut plus que 4000 pour invocation W. Mais malheureusement, je crois que je vais devoir me taper tous les combats quand même. Ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu les Full Under ici. Salut Ubuntu. J'étais pas loin en tout cas du maximum. Parce que j'ai préféré choisir les matériaux vertes plutôt que toutes les matériaux cassés avant la fin. C'est la dernière série de combats. Normal en tout cas. Ensuite j'enchaînerai avec série de combats spéciales. Ah, cet ennemi. Première fois que je l'ai de toutes les séries de combats. Qu'est-ce qu'on va bien tenter sur lui? Ouais, c'est pas mal.
fait à ses ennemis qui utilisent vent blanc alors qu'il leur reste 160 HP. Salut Problemeur. Ça y est, les gens arrivent. Ouais, c'est ça, Fistose. Pour utiliser absorption HP, MP, vol simultané et coupure supplémentaire avec avec les matérias attaque double et fury max, il faut en fait associer comment le mettre. Ah bah voilà, on va pouvoir terminer par un vent blanc. Oh non, ça c'est méchant, ça c'est vraiment... Voilà, j'ai perdu aucune série de combats depuis le début de ce live. Et là, je me fais avoir comme un malpropre par ce satané vaisseau fantôme et son attaque Abyss, anciennement Gohanai, qui vient de me casser là. J'ai lui lancé vent blanc pour rire un peu. Finalement, bah, il a été plus rapide que moi. Oui, oui, tout à fait, Fistose. Il faut utiliser commande maître en fait à la place d'attaque double et fury max. Ah, franchement, ça me fait chier hein, parce que ça fait 2 heures là qu'on fait des séries de combats. Et au dernier ennemi là, on se fait prendre un petit attaque imparable. Bon bah c'est reparti hein. À partir de maintenant, je vais toutes les perdre, vous allez voir. Rare de perdre Battle Square. Ah bah non, c'est pas rare du tout hein. C'était pas bien préparé. Moi ça m'est arrivé plein de fois de perdre le Battle Square hein. Si tu sais pas exactement comment te protéger face à certains trucs, tu peux perdre pas facilement. Après c'est sûr que si tu vas pas avec ruban, mystile, dernière arme, 999 HP, etc. Et les matérias que tu dis, la commande maître, tout ça, c'est sûr que c'est... C'est moins facile hein, quand même. Je vais éviter d'avoir toutes les matérias roses cassées. Vu tous les super HP que j'ai. Kawabunga, salut. Ça, j'étais tellement accro que j'ai décidé de concevoir moi-même mon propre patch anti-addiction. Sauf que ça n'a pas marché, ça a eu l'effet inverse.
jamais compris ce que faisaient ces ennemis. Hein. Bah alors. Bon. Je prends tout. Matéria verte cassée, comme ça je réessaye. Si je tombe contre un vaisseau fantôme, non, même pas. C'est ça, le piaf se réveille après le coucher du soleil. C'est le chocobo doré qui vient de naître. BP. On va pouvoir enfin acheter cette satanée. Invocation W. Ça fait quoi si on fait ça là? Ce prix est épuisé. Materia, invocation W. Voilà, et donc maintenant, comme j'avais dit, on va faire la série de combats spécial. Épée Ultima, du coup. Je vais m'enlever attaque touche, je vais mettre attaque multiple. Bon. Je vais rajouter du coup matéria imité. On verra pourquoi. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Encore une bonus HP. Absorption HP sur attaque double. Mais je peux pas, on a dit qu'il fallait commande maître. La main légumineuse. Ok, donc bah voilà, je me sens à peu près. Est-ce que je tente ça? Ah zut, j'ai pas vu. C'est le cas. Voilà, on l'a dit, ça fait un moment. Est-ce que le patch marche sur PS3? Non, non, ça marche que sur un ISO PS1, donc faut que tu aies un ISO du jeu. Après, si tu as un émulateur qui lit le jeu sur PS3, tu pourras le faire marcher. Donc elle dit, ça fait un moment que j'y pense, mais tu dois être vraiment fort, non? C'est le cas, alors tu es sans doute prêt à disputer le grand match. Qu'en dis-tu? C'est un combat réservé aux plus forts. Tu veux essayer? Non, ça ira, j'ai fou. Oh, Fumzek, la version PC Steam... pas très cher je pense, sinon il y a toujours des autres PS1 qui traînent, qui permettent de jouer sur l'émulateur. Tu peux enchaîner 8 combats au maximum, blablabla, toujours la même chose. Et c'est parti pour la série de combats spécial, donc pour gagner la matéria attaque finale. Donc là ça devient du sérieux. Encore eu ce bug là de réinitialisation de la jauge. Ah et ça fait autrement plus de dégâts. FMSEC, bah attends un petit peu, peut-être ça ira mieux. Ubuntu, je veux pas savoir ce que tu fais avec les autres spectateurs du live. Non mais ça marche sur Linux, et ça fonctionne si tu prends Wine pour l'instant.
attaque qui fait mal. C'est bon, je l'ai esquivé. Je crois que c'est l'ennemi que j'aime le moins de cette série de combats. L'inconnu 3. Voilà, ça a peu d'importance pour les BP. Tiens, je l'ai pas souvent cette attaque là, vague immense. Bah, ff8.fr, c'est Mystère hein, qui est sur le coup. Maintenant qu'il a fini le page de retraduction, je crois que c'est sa tâche principale. Mais bon, ça va lentement. Hein. C'est un gros projet. Moi je suis sur la mise à jour de ff7.fr et ça aussi ça va. Enfin, ça va vite. Ça va vite et lentement à la fois parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Super garde. Mais avancé, je voulais faire la même. Changement. Je me mets à Kaamelott. Le jour où je suis fou se mettra à Phoenix Fight 3. Et voilà le super lourdeau, devrais-je dire le super blindage. Donc là vous allez voir pourquoi j'ai pris la matériel à imiter. C'est pas très puissant, dis-moi. Armure Jamar. Jamar de bouse. Imiter, du coup. Comme ça, je relance la limite. C'est bien, la limite, c'est arrivé pile au dernier combat. Je pouvais pas rêver mieux. Donc cet ennemi a 120 000 HP. Et son armure, du coup, on a 80 000, je crois. Ça fait 200 000 au total. Cette limite, avec un autre personnage, la limite, ça marche pas. Dit que le personnage a fait une imitation ridicule. Enfin, ça c'est la version d'origine. Hein. En vérité, il dit juste
Machin ne peut pas mimer à la limite. Sinon pour toutes les autres actions ça marche. Eh mais j'ai pas... Ah je suis con, j'ai fait coup décisif, j'ai pas mimé à la limite. Tant pis. En même temps c'est quasiment aussi rapide de faire ça comme ça en attaquant que le corps principal. À coup de 10 000 HP. Quatre sites lance propulsion. Ouais, on pourrait faire des trucs marrants. Interférence matérielle. J'adore cette attaque. Ça sert pas à grand chose en soi, mais ça fait juste reflet en fait. Qu'est-ce qui est stylé? L'arme de Ruby? Elle a un peu changé de tête depuis. Oh, c'est devenu tout noir tout à coup. C'est juste un bug de caméra. Ouais, je suis d'accord, j'ai fou. Pour avoir remporté le combat spécial reçu matériel attaque finale. Cool. Bon bah on doit encore gagner 3 fois vu qu'il faut gagner les objets qui servent à rien. Pour la perfect partie. Ça se résume un peu à ça la perfect partie. Avoir plein de trucs qui servent à rien. Sous-vêtements Tifa. T'as écrit juste de pas chérie. Basilic, on dit. D'abord. Oh, 9986, je crois que c'est le coup le plus fort que j'ai fait depuis le début de ma partie. Ah, il a pas réussi à me toucher, hein. Le pauvre. Non, il n'y a pas vraiment de préférence pour la perfect partie pour le rendez-vous. Je suis sorti avec Barrett, moi. Sortir avec Sid. Eh, prenez le chien, il gratte sur la porte. Merci d'avoir caché une scène si romantique. Désolé, vos romances ne sont pas mes oignons. Qui me gratte d'ailleurs? Mais tu fais ce que tu veux, c'est quoi là?
Bim. Trois coups. C'est qui fait mal celui-là. Ah, j'ai pas même pas pu me soigner. J'aime bien comment les. L'arme change de couleur selon les HP. 9999, bim. Eward. Encore une fois, je vais avoir ma limite pile. Pile au début de ce combat là. Ah, ça fait un peu plus mal que tout à l'heure. Alors vous allez voir, là j'imite la limite Omnislash. Ma jauge de limite est un peu remplie et je crois qu'elle va se vider normalement. Juste après la limite, c'est un bug en fait. Fait que mimer la limite, en fait, mime aussi le fait que la jauge se vide. Non, Omnislash n'est pas affecté par le facteur de dégâts. Toutes les limites ne sont pas affectées par les facteurs des dernières armes. Bien malheureusement. Le seul moyen de faire quasiment 999 avec Omnislash, c'est d'avoir des coups des boissons de héros. Sinon, on peut aussi le faire en ayant Fury. Et oui, on peut lancer Omnislash en Fury avec vraiment beaucoup de moyens. C'est une de mes vidéos. Et ça fait 9999. Les dégâts sont multipliés par 1,5. Vraiment long ce combat. Heureusement qu'ils n'ont pas mis l'arme de rubis. Hein. D'ailleurs, j'ai pas remarqué si elle s'était bien vidée, mais je pense que oui. Mais normalement, c'est pas normal hein, pour moi. Mimé n'est pas censé affecter la barre de limite. Enfin, c'est une façon de voir les choses, mais Mimé n'utilise aucun MP, n'utilise rien. Et là, comme on mime une limite, bah, le jeu se dit c'est quand même une limite qui a été lancée, donc on vide la jauge de limite. Alors qu'au final, c'est pas vraiment la limite qu'on avait lancée, c'est juste qu'on l'a imité. Que j'attaque 4 fois. Voilà. Autographe, j'ai remporté un autographe de duo. Allez, encore 2. Désolé de vous infliger ça.
sûrement j'ai fou. Je pense que oui, mais pour moi-même, c'est pas relié en fait. Enfin, ça n'utilise pas les MP quand tu l'utilises qu'une fois. Parce qu'avec Mimé, il y a des comportements très spéciaux. Alors, c'est sur la page matérielle de mon guide. Mimé enchaîne. En fait, seul le premier mime est gratuit en MP. On comporte tous les effets, tels qu'absorption HP, etc. Tous les suivants perdent toutes ses facultés. Parfois, ça peut être très, quand même très violent. Du coup, dans un enchaînement, on peut avoir qu'un seul mime gratuit. Ça pénalise quand même pas mal de... Sinon oui, c'est vrai que c'est sûr qu'après ça rendrait les choses très faciles. Mais ça pénalise pas mal certains petits challenges que j'ai voulu faire. Vivement que je tombe en 777 HP. Ah, pas souffle. C'est pas souvent qu'il la lance, celle-là. Il va faire que ça, a priori. Ce zoom. Parce que cet ennemi, en fait, ne spam qu'une seule attaque, selon ses HP. Et du coup, bah, normalement, c'est souffle de serpent, là, qui spam. Mais si c'est à quoi souffle qu'il a lancé avant, ça veut dire qu'il va spammer à quoi souffle. Mes MP sont... Mes MP max sont très bas. Je continue. J'ai 16 MP max. Ah non non, c'est un... Ils font le site, lui, Charline et Alador. Je sais pas s'il a encore de la partie, mais ils font le site eux-mêmes. Sûrement, Fistose, on peut pourra essayer si tu veux. Voilà, ça c'est assez méchant ça. Arme cassée, commande élément scellé, sachant que j'ai plus beaucoup de HP, que j'ai plus de MP. Ou toutes les matérias cassées. Je crois que je vais être obligé de prendre toutes les matérias cassées. Ah, ça fait chier ça. On va s'amuser du coup. Allez, enlever 120 000 HP. Avec un personnage qui attaque à 4500 au maximum.
Ouais, comment démanceler, c'est pire. Allez, faut que t'esquives, mon vieux. Tout ça pour un carnet de combat, c'est ça? Ah non, Omnislash, j'aurais pas fait du tout le même nombre de combats, même nombre de dégâts. Ah putain, fiché. Parce que même si Omnislash se sert pas de facteur de dernière arme, ça utilise quand même les dégâts de base du personnage. Et ses dégâts de base sont calculés à partir de l'attaque et du niveau du personnage. Si son attaque est divisée par deux là, avec le accessoire, enfin le handicap arme cassée, ça fait beaucoup moins de dégâts aussi. C'est l'attaque du personnage est divisée par deux pour arme cassée. Alors, on pourrait croire que c'est l'arme, mais non. Effectivement, c'est plus subtil. J'ai rien alors. T'as bien dit non. Allez, c'est long. Feu de genou. Il a même un troisième bras pour se gratter le cul. Tais-toi, imbécile! Les pédales. Squelette, je ne te permets pas de me manquer de respect. Gaffe là. Ouh, j'ai de la chance, il se baisse. Au lieu d'attaquer, j'ai un septième de 7777 HP. Je mourrai pas, Fistos. Je suis mort qu'une fois pour l'instant. J'ai juste été éjecté une fois du combat. Un foutu vaisseau fantôme. Heureusement que j'ai une mystine, hein. Mystère. Fistos attend que la mort arrive en plein milieu du combat. Mais j'avais pas de bague maudite équipée.
normalement j'ai... Là je suis sûr d'obtenir un objet différent. Les 4 premiers combats c'est des objets différents. Ensuite c'est des objets aléatoires jusqu'au 10e combat où c'est le ruban. Et ensuite c'est que des objets aléatoires parmi les 3 là, qui servent à rien. Et donc il m'aura coûté en potion X hein, ce combat. Cette mort soudaine. Oui oui c'est justement au Battle Square que ça fait ça. Si on termine le premier combat avec 0-0 au compteur de la bague maudite, on a la mort qui arrive en plein milieu d'un combat quelconque plus tard. Ah tu peux pas obtenir de miss avec une invocation. C'est sûr et certain ça. En fait les attaques magiques qui ont une attaque magique pour 100 d'une précision magique de 255 comme les invocations ne peuvent pas rater. Journal de Dio. Voilà. Plus qu'un. Il me reste que 14 potions X. Éviter de casser toutes mes matérias. Ah non non, un combat uniquement en Battle Square. Bien sûr. Allez, dernière série de combats de la soirée. Et de notre partie d'ailleurs. Ah oui, heureusement que ça intervient pas n'importe où même. Non mais je pense que c'est parce que c'est spécifique en fait au Battle Square. Le seul statut qui est enlevé à la fin des combats, c'est le statut peine de mort. C'est-à-dire que tous les statuts perdus d'un combat à l'autre sauf peine de mort. Et dû à ça, je pense qu'il y a le bug avec la bague maudite. Ça nous enlève le peine de mort de la bague maudite alors que la mort était censée arriver. Du coup, il retient quelque part que la mort doit arriver, mais il la retarde. Ça aurait été génial, ça. Hop, je suis contre l'arme de Ruby, je suis en train de la tuer et tout ça, elle va mourir. Et là, il y a la mort qui apparaît. Destination finale. Donc il est persistant. En fait c'est une contre-attaque frisson. C'est pour ça que ça intervient entre mon coup décisif et mon coup additionnel. Ah non, loin de là. J'ai fait à moitié le 4, j'ai fait le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10,
Et c'est tout. J'avais commencé un peu le 12, mais après j'ai fait la retraduction. Je me suis arrêté. Faudrait que je reprenne un jour le 12. Enfin, que je recommence directement. Parce qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé. Après, il y en a d'autres qui l'ont un peu moins aimé. Moi, je me souviens que le système de combat m'emballait pas, mais si j'arrive à passer outre. Allez, on y est presque. On touche au but. Il est chiant. Bon, au missile, je vais faire moins de dégâts maintenant. Ah. Une petite esquive. Ah, fait chier. Ça a mimé la contre-attaque. Ça te fail. Allez, plus que quelques coups, j'en aurai terminé avec le Battle Square. Bon bah voilà. J'ai même pas pu relancer la limite. C'est fini. Récit d'un joueur. J'ai gagné tous les lots spéciaux du coin. Non, c'est que du bonus. Poussière d'étoile, tiens. Deuxième ceinture du champion.
bonne chose de faite. Je vais l'enregistrer avant de me faire avoir par une coupure de courant. Ouais, quand même, j'avais pas enregistré depuis 2h20. Tiens. Je vais reprendre 100. Ça me fait du coup 1565. Allez, je vais faire rapidement des courses de Chocobo pour aller jusqu'à 2000 GP. Ainsi je pourrais acheter la matériel bonus XP au Wonder Square. J'ai fou. Je vais te mettre à contribution. Repousse ennemi. Ah. Alors là, c'est le moment de vérité, franchement. C'est le seul lot qui manque ici avec bonus XP. Donc le seul lot du Chocobo Square qui manque. Donc, si je pouvais le gagner, ce serait vraiment beau là. Ce serait, j'aurais fait tout en un dans la soirée. Ouais, j'ai fait les 5 parties de sous-marin hier. Ouh, allez, on croise les doigts. J'ai eu la chance hier pour attaque surprise. Est-ce que ça va perdurer? Parce que toutes les courses que j'ai faites jusque là, j'ai eu aucune fois repoussé ennemi dans les lots. Allez. Ah, déception. Fistos avait prévu le coup, c'est 4 tonnes. En même temps, regardez les matériaux repoussés ennemis. Ils sont à la fin. Impossible de les avoir. 50 GP, ouais. Dommage. J'aurais peut-être l'occasion de retomber dessus. Mais là, du coup, ce sera probablement dans un prochain live. Ça peut mettre du temps, hein. Plusieurs heures. Ah, ce serait bien si je pouvais gagner le dernier lot là, pochette de jas, je crois. On va me faire pas mal de GP. Clochette de chat, ouais. Ah non, toujours pas. Ether Turbo, bon, ça en fait déjà 150. Des lois à la con. Alors, je sais pas si vous avez vu dans la classe S, on a remis un, du coup, un nouveau logo en haut multicolore. Avant c'était A+, du coup, mais maintenant c'est S vu que c'est le vrai nom de la classe. Et voilà, donc on a aussi fait cette texture là. Merci à Avoc d'ailleurs de l'avoir faite. Dans la retraduction. C'est fou ce que c'est facile avec la touche carré. Drogue de héros. Ça va pas vous rapporter beaucoup ça. Non, moi je préfère l'objet, allez.
Toujours des lois à la con. Le jeu du Fort Condor. Bah, le Fort Condor, à part les dialogues, dans le jeu en soi, il n'y avait pas grand chose à changer. Les textures, bon, il n'y avait pas grand chose non plus. Hein. Donc, après, voilà. Par contre, dans la Perfect Party, bien sûr, j'ai fait les 14 combats optionnels. Cristal de glace. Attaque surprise. Qui revient à la charge. Donc, si je peux échanger contre des GP là, ça pourrait me faire gagner beaucoup. Bien sûr, moi les matériaux attaque surprise. Besoin, je les échange contre des GP. Et non, 4 tons encore. 4 tons. Je sais plus où j'en suis en termes de GP. Hein. Je dois avoisiner les 2000 du coup. Je fais encore deux petites courses. Salut Icarus, tu arrives un peu tard. Si tu veux le résumé des épisodes précédents, hier on a fait la quête des chocobos toute la journée, toute la soirée. On a obtenu un chocobo doré, pas mal de lots intéressants au Chocobo Square. Tu as même eu le droit à être le nom du chocobo doré. Et aujourd'hui on a fait tout le Battle Square. Et on vient de finir le combat spécial. Les lots, et donc on essaie d'obtenir repousse ennemi maintenant, ainsi que bonus XP. Ah, j'arrive pas à obtenir le. J'arrive pas à obtenir le lot le plus cher. Ah, cool alors. Tiens, tu es là d'ailleurs. Même si c'est Gifu que je préfère monter. Plus compréhensible, on s'entend mieux ensemble, on s'entend mieux. Il a une bonne endurance aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Chocolat que j'ai pas pu goûter. Ok, ah JR. Salut JR. Matériel contre-attaque, ça va coûter cher ça. Allez, je voudrais des GP 300. Oui, je les prends. Bon bah c'est bon, on devrait avoir là les 2000. Ouais.
T'as vu ça? On aurait pu avoir repoussé Nid aujourd'hui, mais... Et encore une fois, attaque sur furtive, j'étais pas loin. 2215. Hop. Matériel bonus XP. Bon ben... GP suivant. Ticket d'or, j'ai pas assez. C'est Noix de Caroube, il reste toujours caché, mais il est infini, le dernier. Allez, peut-être un coup de chance. Toujours pas remporté les fameux GP. Je sais pas, Icarus, on verra. Dépendra de mon état. En tout cas, là, à part repousser ennemi qui me manque là aux courses de Chocobo, il n'y a plus que la grotte nord et les armes. Parce que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire au Gold Saucer. À part ça. Merci. Bien sûr, j'ai pas fait. Ah, queue de phénix! Ouais, queue de phénix, c'est beau ça. Je viens d'obtenir le deuxième lot le plus rare de cette machine. Seulement une chance sur 128. Il me semble. Hein. C'est fini. Ouais. J'essaie juste de. Gagner des lots par-ci par-là, mais je pense pas que ça prend mouche. Bon, allez, on a assez joué. Allez, partie de basketball, juste pour me foirer. Voilà, c'était beau. Je sais jamais mettre la pression qu'il faut. On va enregistrer. Et les prochains lives, ça sera repousser demi. Ouais, bah profites-en alors. Repousse ennemi, la grotte nord et les armes. Alors, en thème de matéria. Je me disais aussi qu'il manque une invocation. Ouais. Ok. Donc voilà. Voilà. C'est fini pour ce soir. C'était le Battle Square principalement. On a fini tout ça. Et voilà. On se retrouve dans la semaine prochaine. Donc peut-être demain, je pense pas, mais plutôt mardi. Pour le futur live qui sera sûrement l'un des derniers. Parce qu'après il y aura tout le farming, mais bon. On verra tout ça. En tout cas, heureusement, on était plus qu'au début. Hein, où j'étais seul pendant 30 minutes. Vas-y, Icarus. Je t'écoute. Bonne soirée tout le monde. Ça traduit qu'avec la scène de Tifa et Cloud. Tu veux dire la scène, oui, avec plus de 50, c'est vrai. Je devais le faire, j'ai dit que je le ferai. Je le ferai quand j'aurai terminé. Alors tu voulais que je la poste en fait carrément, plutôt que je la fasse en live. On verra. J'aurai moyen de la faire en live, je pense, au prochain live. À partir d'une sauvegarde du debug room, je pourrais accéder directement à la scène et je vous montrerai ça. Voilà, j'y penserai. Sur ce, bonne nuit à tous.